Rachita est un artiste algérien qui a commencé sa carrière avec le groupe Carte de Séjour en 1981. Sa musique, mélange parfait entre sonorités orientales et occidentales et source d'inspiration multiple, transcende un public très large. C'est dans le cadre du Festival des Nuits du Sud que Rachita a donné un concert aux côtés de Batucada Sound Machine, un groupe néo-zélandais aux sources d'inspiration nombreuses, mais qui n'a pas réussi à éclipser la prestation endiablée de Rachita. C'est à 20h30 que le concert a commencé avec la première partie faite par Jibs, un rappeur fort sympathique, actuellement en compétition des talents des Nuits du Sud, et qui a bien su mettre le public en condition pour pouvoir accueillir les chanteurs suivants. C'est à 21h30 que Rachid arriva sur scène, bien décidé à faire danser le public sur les rythmes dansants de ses chansons. De ses petites danses partagées entre un enfant timide et l'homme charismatique qu'il est, il a su mettre son public dans l'ambiance et le faire adhérer à sa cause. Rachid fut très communicatif, n'hésitant pas à faire rire le public et à partager avec lui. Que ce soit ses plus grands succès, tels que Barabara, Écoute-moi camarade, ou bien les titres de son dernier album Zoom, tels que Galbi, Rachita a fait un concert cohérent et très puissant. C'est sur Voilà Voilà qu'il a conclu le concert, exprimant ses idées politiques et les partageant avec son public sur cet hymne à la colère du manque de tolérance en France. C'est sur cette note positive que le concert s'achève, laissant le public plein d'étoiles dans les yeux.